Bah toi le FIS c'est bah, pour nous en France c'est un FMB World Tour maintenant, donc c'est parti du championnat du monde, donc c'est une grosse étape. Au-delà de ça c'est Montpellier, on sait que Montpellier c'est la fête, c'est les soirées, c'est l'ambiance qui va avec. Tu vois, un monde pas possible autour de nous, c'est quand même très très rare dans l'année qu'on ait autant de people qui nous regardent quoi, tu vois. Donc on sait qu'on va se marrer, que tout le monde est là, que normalement il y a toujours le soleil, avec le vent ou la flotte. Mais dans tous les cas c'est toujours un bon week-end quoi. Bah c'est vrai que ça reste quand même assez difficile de mélanger les disciplines, du fait que bon bah chacun est déjà une sorte de secteur un peu, tu vois, par rapport aux disciplines, on n'est pas tous sur le même spot. Après on a la chance d'avoir des sponsors en commun qui font justement voilà, qui essayent de nous faire partager des repas avec des mecs, tu vois, discuter avec des skaters, de parler avec des mecs qui font de la moto. Et je trouve ça génial quoi. On est quand même plein de sports différents et au final on a tous la même passion, c'est kiffer nos sports et kiffer ce qu'on fait quoi. Ouais, il y a quelques années on était tous en face là-bas là, mais c'est tellement le bordel à chaque fois, il y a tellement de mecs qui foutent la merde, c'est n'importe quoi. Enfin tu vois, c'est le fils, on le sait, c'est le bordel, c'est les soirées, c'est tout le monde rentre à un point d'heure, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, donc je crois qu'on est un peu tous séparés un peu au milieu de la ville, histoire justement de calmer un peu tout le monde. Mais on finit toujours par se retrouver tous à l'Australian Bar là-bas, c'est à chaque fois c'est le bordel quoi. Bah il y a un truc qui à chaque fois on rigole avec les SAM et enfin les étrangers, tu vois. À chaque fois eux ils savent que quand ils viennent ici, il va y avoir des Français, parce qu'en fait les Français on a un peu ce truc genre tous les jeunes amateurs ils se balancent à mort quoi, tu vois, ils s'en foutent complet. Ils se jettent à la mort, ils sont là pour gagner, ils sont là pour s'amuser, rigoler, faire des soirées. Donc ils arrivent à moitié déchirés sur la conteste et ils font des figures qu'ils n'arrivent jamais à rentrer et on rigole comme pas possible parce que c'est l'enfer. Les mecs ils se jettent dans n'importe quoi, ça atterrit toujours dans des positions pas possibles. Il n'y a jamais de blessé, mais voilà, on rigole trop. Et c'est un peu l'image voilà, du fils, c'est qu'on sait que ça vient et que ça va balancer quoi. On va tout péter, on n'est pas qu'un, on est plusieurs. T'es con quoi, ça fait 3 semaines que je suis parti, 3 semaines je mets la race. La craquette zone. La craquette zone, est-ce que tu connais non seulement la craquette zone? Non, vas-y, explique-nous ce que c'est. Tequila pure, tequila pure, tequila pure, tequila pure et dur. Et t'as pas de la tequila par là? Ouais, j'ai plus de tequila. Y'a plus, c'est fini. Faut aller acheter une bouteille. Tu sais où ils vendent de la coque? Ah, mais parfait! Regardez, regarde, montre ça. Une petite goutte de gin.